اللي معاه سامير او ياكل شوف سوق قدامه خلاص خليه تما فوالا باش ما لا بلاص تاعك يجي So for the next few moments, do not blink. Thank you.
Samir. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Samir? Arrête les amis. Bonjour tout le monde, excusez-moi, je ne savais pas que j'étais téléportable, mais c'est Samy, c'est un grand magicien, et on va régler Samy, ne vous inquiétez pas, d'accord? Samy, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, tu me rassures, on va sortir. Oh, qu'est-ce que c'est? Ensemble, c'est pas fort. Samy, qu'est-ce que tu fais? De l'autre côté. Les invités attendent, je dois présenter. Si tu veux, mais pas une je vais aller. De l'autre côté, Olivier. De ce côté, t'es sûr? Oui, oui, oui. C'est pas un autre. Il y a un outil, rien. Ah, oui. Il y a un intérêt. Hein. Mesdames et messieurs, Mustapha. Pas Mustapha. Qui va? Je vais être avec mes invités. Mesdames et messieurs, je suis aussi beau gosse qu'avant, j'espère. Non, c'est bon. Oui pour beau gosse ou là oui comme avant. Merci. Ça va, Samy? Ah non, j'ai envie. Je suis un homme de scène. Est-ce que t'es sûr que t'es réel? Après ce qui s'est passé, je suis pas très sûr. Mon invocation, tiens, où est l'invocation t'es arrêtée? Ouais, justement. Est-ce que tu es sûr que tu es réel? Je suis pas sûr, mais j'aurais aimé être aux États-Unis. Ah, on fait un petit test. Non, je suis magicien. D'accord, ok. On va faire un petit test pour savoir si tu es réel. Ok. Donc, Mustapha, tu vas fermer les yeux. D'accord. Ouais, je peux, c'est sûr. Thank you for coming tonight. Merci d'être venu ce soir. I wish you could have a great night to see all of our new series over TV and to meet all of our LG members here. J'espère que vous allez apprécier la soirée en testant nos produits et en parlant avec nos employés LG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour nous présenter cette fameuse gamme de télé, tout le monde a hâte de découvrir, j'espère. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Mendy, je suis assistant product manager chez LG Algérie. Je m'occupe des produits TV et audio. Comme Mustapha l'a précisé, nous allons avoir une petite présentation concernant notre nouvelle gamme de TV lancée récemment au mois de décembre. Donc, sans plus tarder, let's begin. Donc, la conjoncture actuelle a changé un petit peu nos habitudes. A changé même notre façon d'être, notre façon de vivre. Nous communiquons avec les personnes qu'on aime à distance. Nous, professionnels, faisons des réunions à distance, faisons des conférences à distance. Il y a pas mal de gens aussi qui pratiquent le sport à domicile. Tout ça a fait que le domicile est devenu un lieu très crucial pour le bon vivre et le bon être, le bien-être des utilisateurs. C'est pour cela qu'il y a eu, maintenant on va dire, la new normal lifestyle begins at home. La nouvelle façon de vivre recommence, mais chez soi actuellement. C'est pour cela, on va voir après que LG a pensé et a vu quel est l'intérêt de ses utilisateurs. Le premier étant le besoin d'advertisement ou d'entertainment at home, et le deuxième étant le design intérieur. Next, please. LG Algérie a travaillé sur trois piliers essentiels qui sont le panel, la dalle, où il y a trois technologies de panel différentes, le OLED, le nanocell et le LED. Il y a aussi, on a travaillé sur le deuxième pilier, les processeurs. Donc, grâce à notre intelligence artificielle, on a développé deux microprocesseurs très performants qui travaillent avec l'intelligence artificielle appelée Alpha 9 et Alpha 7. Et aussi, on travaille sur l'utilisation. Donc, nous avons l'expérience de visionnage, donc watch. Donc, la télé en général, elle est faite pour qu'on apprécie du contenu. Il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent pour le jeu. Donc, est-ce qu'il y a des gamers ici? Non? Ok. Un peu, d'accord. Donc, vous allez être gâtés. Il y a aussi l'aspect design, l'aspect ergonomique et l'aspect la facilité d'utiliser des produits, l'utilisation des produits. On commence par
l'audiovisuel ou bien watch, la partie watch, Edge Algérie a pensé et a développé plus de 3000 contenus qui sont adaptés au Dolby Vision et Dolby Atmos. Comme vous pouvez le voir, tout le monde sait qu'il y a des contenus certifiés Dolby qu'on peut retrouver sur les applis telles que Netflix, Prime Video ou autres que vous pouvez voir. Canal et TV Canal, avec mon TV, vous pouvez voir ces contenus avec leur qualité de son et d'image d'origine. Donc, Mahdi, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire plus sur le Dolby pour que notre audience comprenne un petit peu d'où vient cette technologie et comment elle apporte un meilleur rendu image et son à l'utilisateur? Exactement. Donc, Dolby, c'est un géant mondial. La gamme de télé, la génération 4. J'ai une question qui va intéresser l'audience. Aïdjaya, la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, les Doha, et on va tous célébrer ça. Est-ce que les téléviseurs LG apportent du nouveau pour apprécier le sport, pour apprécier ces matchs qu'on va vivre avec grande émotion? Oui, Aïdjaya, la Coupe d'Afrique, et Inch'Allah, on souhaite bon courage à l'équipe nationale d'Iran. Inch'Allah, il dit bon Donc, avant de parler de la partie sport, je me permets de parler, madame, il y a beaucoup de journalistes là. Exactement. Si on peut revenir en arrière, juste une slide. Il y a en fait quatre types de contenus, les de la télé, le processeur de l'IA, il y a des gens qui l'utilisent même comme quatre. Parfait. Excellent. Ou la télé pour moi, Mahdi, qui est non seulement de te parler, en plus qu'il vient d'utiliser à King Kong House, à un film, etc., c'est vraiment embêtant. Donc j'imagine que LG a pensé à ça, j'imagine. Donc est-ce qu'on peut savoir ce que LG a apporté de nouveau pour la télé commentaire? Il faut savoir... y a une partie essentielle aussi de la télé. Bien sûr. Il faut savoir que la télécommande, déjà, LG avait une télécommande magique avec curseur, etc. Elle était très développée par rapport à ce qu'il y a dans le marché algérien. Maintenant, on l'a encore développé, en améliorant le design, il est plus ergonomique, ça tient bien à la main. Il y a aussi un point pour scroller. On a la commande vocale, oui, tu peux parler à la télé, tu commandes comme on le fait pour le smartphone, on fait pareil pour la télé. Donc, on a la commande vocale et on a même le Magic Tape pour connecter la télé, le téléphone directement via le NFC. Donc c'est le même NFC, les NFC téléphones utilisés pour le transfert de fichiers, voilà, c'est ça? Exactement, et le module NFC. À la base, nous avons partagé du contenu via Wi-Fi, où parfois ça s'accadait, ça ne marchait pas super bien, c'était long pour se connecter, ça se déconnectait rapidement. Maintenant, à travers le NFC, il suffit juste de l'activer le téléphone, tapoter un petit peu la télécommande magique, et puis on aura le screen mirroring. Donc, le contenu d'un téléphone est partagé sur la télé, technologie vraiment différente. Maintenant, le rétroéclairage, on a une image parfaite et un noir parfait. On a une celle qu'on a aussi pour un noir profond quand même, et des couleurs parfaites, et le UHD qu'on a pour le processeur quad-core qui va sublimer l'image et assurer, comme les KND TV, OLED, un rétroéclairage derrière. Maintenant, on a développé la technologie.
pas de comme affaire. Assez par votre présence. Donc nous allons passer au tirage de sort de la tombola. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, chacun a mis son nom au fond. Et j'espère que vous êtes tous là à l'intérieur de l'heure. Et j'espère qu'il va y avoir des gagnants. Donc voilà. Donc je laisse Mehdi proposer le consommateur algérien le meilleur produit au meilleur prix, pas la dernière technologie qui est la technologie qu'on a d'autres technologies et innovations que nous sommes en train de lancer année après année. J'espère que le consommateur sera toujours fidèle à la marque Nana comme il a toujours été. Et soyez sûr que nous, Namjetana, on est en train de faire le maximum pour offrir le meilleur produit au meilleur prix. LG reste le meilleur choix des Algériens et ça a été démontré à plusieurs reprises. Jusqu'à là, comme Allah, on va se faire des comptes et à de nouveaux lancements, Inch'Allah. Merci. Bon, Moutena El Jamea, on ne parle pas de la classe, enfin, pas de classe, mais c'est des prix qui restent attractifs par gamme. Mais on parle de LG, on parle de, du leader technologique, on parle des dernières technologies. Du coup, les prix commencent à partir de. Sincèrement, je n'ai pas de prix Bien sûr, des fois, magasin n'a pas comme la gamme parce qu'on achemine la marchandise qualitative. Néanmoins, tout ce que nous avons présenté est disponible sur le marché à travers les 87 jours que nous avons sur le territoire national. 87 jours que nous avons sur le territoire national. Et acheté par des fournisseurs, là, via des fournisseurs étrangers, des Chinois, c'est non processus. Total, non processus. Par les des éditeurs.